Salut à tous, alors je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo Glossy Box pour le mois de juillet. Donc je l'ai reçue il y a un peu moins d'une semaine, je crois que je l'ai reçue lundi dernier, enfin voilà, j'attendais d'être le week-end pour la filmer. Donc comme d'habitude ça arrive dans le carton comme ça, le carton, enfin le packaging de la box c'est toujours le même, ils n'ont pas fait d'édition particulière là pour l'instant. Hop. Je l'ouvre, donc j'ai déjà ouvert hein, comme d'habitude, ça se présente comme ça. Il y a le petit menu en premier, que je vais essayer de suivre pour présenter les produits, n'est-ce pas? Le Glossy Mag, comme d'hab, cette fois-ci j'ai pris le temps et j'ai fait l'effort de feuilleter le magazine. Mais ça ne m'intéresse pas, donc comme d'habitude, hein, on va mettre ça là. Alors, quand j'ouvre... le papier, la box se présente comme ça. Donc tout de suite on voit les lunettes. Ça et dessous il y a les autres produits. Ça et ça, ce sont des goodies. Donc on va commencer par ça. Déjà on a une paire de lunettes. Il y a marqué UV400 protection sur le verre. Donc déjà c'est sympa, on sait que c'est pas des lunettes qui vont pas nous protéger. Elles sont vert d'eau. Un peu comme dans la pub de la voiture là. Quand on les met, ça donne ça. Donc autant vous dire que je trouve pas forcément ça fantastique, la forme elle est pas géniale. Mais bon écoutez, ça peut servir quand on est en vacances, quand on n'a pas envie de mettre nos lunettes chères peut-être, qu'on n'a pas envie de perdre, tout ça, ça peut être sympa. Le vert est gris, il n'est pas vert. Et voilà, bon bah écoutez, ça peut être... voilà, ça fait vacances. Il y a ça avec, donc c'est l'étui à lunettes. Donc comme ça, Glossy Box fuchsia, donc moi j'adore. Et il suffit d'appuyer pour ouvrir et on enfile les lunettes dedans. Franchement il est cool, il est façon cuir, bon c'est pas du cuir hein, mais bon il est façon cuir. Donc ça c'est sympa. Hop, si je range les lunettes dans la housse, ben ça se referme, c'est nickel. Voilà, donc ça un petit goodies que je trouve assez sympa, même si les lunettes on s'en sert pas, ça là c'est quelque chose qu'on peut se resservir. En plus c'est rose, alors moi je suis contente. Le premier produit qu'il y a sur la liste, c'est un produit de la marque Model Co. Donc je suppose que c'est un bronzer. Bronze Shimmer est un bronzer illuminateur qui, grâce à son complexe minéral unique, reflète la lumière et vous donne bonne mine, comme si vous étiez naturellement bronzé. Alors ça se présente comme ça. Autant vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai pris peur parce que c'est hyper foncé pour moi. Regardez ça. Hyper foncé pour moi, quoi. Alors, je vais enlever l'emballage et essayer de voir ce que ça peut donner si je fais un swatch. Je trouve que c'est comment ça me fait rire, les bronzers illuminateurs en fait. Comment ça peut illuminer la peau si c'est foncé? Il peut être brillant, mais je vois pas encore ça peut illuminer. Enfin bref, voilà comment il est. Donc il est marron quand même, il a des paillettes dorées. Il a l'air plutôt pigmenté. Oh, quoique. Ce que ça donne sur ma main, ça fait, pour moi ça fait quand même un très très gros contraste hein. Si je mets ça je suis pas sûre d'en sortir vivante quoi. Après il a une bonne texture, il s'applique bien, il s'estompe assez facilement aussi. Bon là j'ai rien du tout sur ma main, mais bon voilà, je l'ai un peu estompé, mais c'est vrai que moi ça fait tout de suite trop foncé quoi, donc ça sent rien, enfin c'est pas génial. Au niveau du tarif, donc c'est un produit qui fait 3,6 g et qui coûte 18 € lui tout seul. La box coûte 15,50 €, 18 € lui tout seul. Déjà là on a commencé, on a dépassé le budget, c'est déjà sympa. Bon, premier produit, très bien. Second produit, une crème pour les mains de la marque Fix et Rouge, pour des mains gourmandes, douces et hydratées tout au long de l'année. Donc c'est un produit qui est comme ça, c'est petit hein. C'est vraiment petit comme produit pour les mains. Regardez comment ça fait. Alors celui-là il fait 20 ml. Le full size fait 80 ml. Et le full size est censé être à 10 €. Donc là celui-là il fait 20 ml. Donc c'est vraiment un échantillon, enfin c'est une miniature, une vraie miniature. Alors c'est une crème pour les mains. Si ça sent bon. Ça sent quand même bon. Je vais m'en mettre un petit peu, voir ce que ça donne. Ça sent le bonbon très fruité en fait. On se met dans la main parce que dessus j'avais mis le bronzer.
Ouais, ça sent le bonbon en fait. C'est pas sûr. Ça sent le bonbon. Bonbon. Vraiment bah, hyper chimique en fait. Mais bon, après, c'est pas non plus désagréable. Donc, c'est cool. C'est une crème qui colle pas du tout dans la main en fait. Elle rentre vite et ça colle pas. Attends, je l'ai mis à l'intérieur et ça colle pas. Bon, ça c'est sympa. Ensuite, un produit Sauce Suzanne Cosmétique. Palette correctrice. Alors, cette palette correctrice compacte est idéale pour camoufler les cernes, les rougeurs et toute autre imperfection. Donc, c'est un quad comme ça. Regardez de plus près les couleurs. Donc, il y a du blanc, il y a du beige rosé, du beige plus foncé, plus orange et un brun. Phare, donc, du coup, les ombres, les lumières et camouflées suivant la peau qu'on a. Très sincèrement, je pense que ça va pas trop trop m'aller. Je dirais que le côté rose est en fait est trop rose pour ma peau. Enfin, là, on dirait peut-être pas, mais ça m'a l'air un peu rose par rapport à ma peau. Le côté enfin, plus orangé va être plus dans les bons tons, mais va être trop foncé. Donc, à moins que je mélange du blanc et de celui-là pour faire des cernes par exemple ou des imperfections. Et après, les ombres, pourquoi pas tester. Faut vraiment que je teste ça. En fait, la crème pour les mains, elles sont super bonnes, je me sens tout à l'heure. Maintenant que ça s'est un peu estompé, ça sent vraiment vraiment bon. Ça y est, donc j'ai réussi à l'ouvrir. Hop, enfin à l'ouvrir, à enlever le plastique. Si j'arrive à l'ouvrir pour de vrai maintenant, ça pourrait être sympa. Voilà, ça m'a l'air complètement mat. Ah, le blanc est vraiment blanc. Hein. C'est une phrase pourrie ça, mais vraiment le blanc est vraiment blanc. Le rose clair. Enfin, le rose clair, le beige clair. Ça m'a pas l'air opaque du tout ce truc. Après, j'ose pas en prendre beaucoup là, mais. Ça a absolument aucune odeur, ça. Ça, c'est crémeux, mais en même temps, pas vraiment quoi. Ça se ramollit pas sous les doigts. Je suis pas sûre que ce soit très efficace, mais bon, je testerai. Au niveau du tarif, ça fait 4 grammes. Oh là là! Ça fait 4 grammes, donc ça, c'est un produit en full size. 4 grammes et 21,35 €. Voilà. Ça y va. Ensuite, on a eu ça. Donc, au début, j'ai cru que c'était un prospectus, mais en fait, non, c'est les produits. Alors, c'est la marque DHC, Rituel Beauté. Ah, il y a des codes promo. Ah, c'est cool. Le code promo, je vous le mettrai en barre d'infos. Ou je vous l'écrirai ici. C'est une offre valable jusqu'au 31 août. C'est bon à savoir. Donc, le coffret total, en fait, avec les 3 produits, les 4 produits qui sont présentés là en échantillon, le coffret avec les produits en full size fait 72 €. Mais forcément, là, ça. C'est pas comparable, c'est que des échantillons, c'est même pas une miniature. Donc en fait, ça se présente comme ça. On l'ouvre, hop, on ouvre encore, et c'est un grand truc comme ça. Et il y a les 4 échantillons. Une huile démaquillante, c'est ça. Un savon transparent, une lotion et une huile qui hydrate. Donc bon, ça peut être sympa avec les 4 produits que je vous montre un peu mieux. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ça peut être cool, en plus là on a toute la routine qu'on peut tester, on peut acheter ensuite les produits séparément. Et donc il y a une promo pour l'huile démaquillante, il y a moins de 20% sur l'huile démaquillante qui est une huile de format 200 ml, donc qui est une huile aussi grosse que l'huile Kiko. Dernier produit, là je suis un petit peu dégoûtée, vous allez comprendre pourquoi si vous avez vu la vidéo du concours. Et bien sûr j'aurais listé le lien en barre d'infos pour vous rappeler de vous positionner pour participer au concours si vous le souhaitez, c'est qu'on a à nouveau ce produit. C'est la crème minceur modelante de Maria Galant. Voilà, complexe minceur exclusif, remodèle la silhouette. Les 200 ml font 70 € et là il y a 30 ml. Donc c'est un gros produit, c'est pas full size, c'est un gros produit. Et c'est un des lots que je fais, enfin, un des produits que je fais gagner dans un des lots parce que ben, justement je n'utilise pas ce genre de produit, je compte pas le faire. Et du coup, ben, j'ai ce produit pour rien quoi. Écoutez, ce produit, je pense vraiment pas l'utiliser. Autant le bronzer, le concealer, tout ça, en plus je les ai ouverts, je les ai touchés. Donc bon, je vais quand même les tester. Ça, je sais très bien que je l'utiliserai pas. Peut-être que je le rajouterai dans un des lots au pif pour la surprise, mais franchement, je pense pas du tout utiliser ce produit, donc autant vous le faire gagner. C'est certainement un très très bon produit. Je crois même que ma mère l'utilise et qu'elle aime bien, mais moi, je l'utiliserai pas. Et bah, voilà, je pense peut-être le rajouter à un des lots en bonus. Donc c'est tout pour cette box. Au final, nous avons eu une crème modelante pour le corps. Un bronzer, donc un produit à maquillage, un quad de concealer ombre et lumière, donc c'est aussi pour le visage, c'est aussi du maquillage, une crème pour les mains,
et un ensemble de routines de soins pour le visage, démaquillant, nettoyant, tonifiant, hydratant. Voilà, donc en fait pour le visage on a eu 3 produits, pour les mains 1 et pour le corps 1. Donc je trouve ça sympa, sachant également que nous avons eu 2 goodies, à savoir la pochette pour lunettes et les lunettes de soleil. Donc ça je trouve ça sympa, c'est vraiment, ça marque l'été, hein. Je vous dis ça un jour où il fait un temps horrible et pourtant on est dans le sud de la France, soyons fous. Je trouve ça quand même assez cool, les goodies sont sympas, ils sont forcément utiles, même si on ne sait pas forcément à notre goût, mais ça peut être toujours intéressant, même pour des enfants, je trouve, les lunettes. Et après, les produits sont sympas aussi. Ouais, il ne manque plus qu'à essayer. Petite déception pour celui-là, parce qu'on l'a déjà eu et que ça ne fait pas découvrir. Mais d'un autre côté, je me rends compte que quand on gagne à nouveau des produits qu'on a déjà eu dans des Glossybox avant et qu'on a aimé, on est content de les avoir à nouveau sans les payer. Là, je suis pas contente parce que c'est un produit que j'utilise pas, mais concrètement, ça aurait été un produit que j'aime bien, j'aurais été contente de l'avoir une seconde fois. Donc, je vais pas être mauvaise langue, c'est une très bonne idée d'avoir remis cette crème si elle plaît. J'espère que cette vidéo du Glossybox vous plaira. Je sais pas si vous avez eu exactement la même box que moi ou pas. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, en tout cas, vous avez eu des produits différents, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos pour qu'on puisse un petit peu comparer les box. J'ai l'impression que de plus en plus, ils font exactement les mêmes box pour tout le monde. Ma mère a reçu exactement la même box que moi. Pourtant, elle a pas la même peau, elle a pas le même âge, elle a pas les mêmes cheveux, elle a pas les mêmes goûts vestimentaires. Donc au niveau du profil beauté, ça colle pas. Alors je comprends pas comment ils font pour nous donner les mêmes produits. Ils s'arrangent pour que ce soit des produits qui soient universels, donc c'est cool parce que tout le monde peut les utiliser. Ils sont pratiquement sûrs de ne pas se tromper. Le quad, c'est pareil, il y a 4 couleurs, donc ça s'ajuste forcément si on fait des mélanges. Donc bon, dommage qu'ils n'adaptent pas un petit peu plus aux besoins de ce qu'on de bah, des clients en fait tout simplement. Mais bon, moi je suis quand même pas déçue des box. Là je pense qu'on n'a pas aussi une box qui doit être sympa au niveau du tarif. À mon avis, on est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente qui est celle du concours pour vous positionner sur le concours et avoir des chances de gagner un des 6 lots qu'on propose. Et voilà, je vous reviens très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.